Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on repart sur une petite séance pilates. Donc on va faire avec la sangle. Donc on va faire pratiquement tout, enfin on va faire tout au sol avec la sangle. Et la semaine prochaine, on reprendra la sangle. Donc une écharpe, un foulard, une sangle de pyjama, enfin pas de pyjama, de peignoir. Voilà, et la semaine prochaine, on fera la sangle normalement, hein, sauf si je change, la sangle debout. D'accord? Donc vous pouvez très bien faire le cours sans sangle. Ça change rien si ça tire trop. De toute façon, je pense qu'on va se voir pendant un petit bout de temps, hein, vu comment c'est parti. Donc, essayez de continuer. Je suis super contente. J'ai plein de filles qui reprennent, qui seront motivées. Même si vous ne faites que regarder la vidéo, je vous le dis à chaque fois. Mais continuez, ça me fait très plaisir. Donc, on prend la sangle comme ceci. Et on va la mettre donc, derrière, je l'ai déjà dit, pas au niveau des cervicales, hein, parce qu'on se fait évidemment pas mal. Enfin, surtout pas là. Là. Je sais que par exemple, Bibi, elle n'aime pas trop. Si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre les mains si ça ne va pas. Mais on va essayer de partir plutôt avec la sangle derrière. D'accord? Donc, on va directement les pieds serrés, les genoux collés. D'accord? Je vais mettre un peu comme ça. Voilà, je vous remets. Et là, on va simplement céder. Donc, si ça ne va pas, vous relâchez vos épaules, vous tenez, et vous allez monter. On bloque en haut et on inspire, on redescend. On garde les coudes serrés. Et on remonte. Voilà. Donc, si ça ne va pas, tu mets les mains derrière la tête. Encore. Moi, je trouve que ça aide. On avale bien le ventre. On aspire le ventre. On plaque le bas du dos. Et on descend. Encore. Serrez vos genoux. Travaillez justement les adducteurs. Hein, comme si on avait un petit coussin entre les deux genoux. Et on redescend. Encore. Quatrième. On avale le ventre. Là, on cherche vraiment à rentrer le nombril. On redescend. Parce que j'ai l'impression que vous oubliez un petit peu ça. Allez, encore on monte, on enroule bien le haut du dos, on ne tire pas trop, on redescend, encore, on souffle, on redescend, encore, on reste bien, on redescend, dernière fois, on va rester tout petit, on tire, 1, 2, allez, 3, on plaque le bas du dos, 4, et on avale le ventre, 5, on ne pousse pas, 6, 7, 8, 3, 8 encore. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6. Du coup, vous ne faites pas de oui-oui au moins avec la, 7, la tête. Encore 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus que 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu redéposes, tu relâches un petit peu les doigts, les épaules. Et tu repars sur la même chose, 4 fois 8 petit. Donc tu remets et on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 8. Rends le ventre 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. Bien. 6, 7, 8. 2 fois 8 encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus que 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Un, relâchez, respirez. Continuez. On va faire la même chose. On va décoller les deux pieds du sol. Coller les genoux. Hein, on ne relâche pas. Et essayez vraiment d'avaler là. Rentrez le nombril. Les deux mains. Et on refait sans bouger. Petit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire le ventre. On ne pousse pas. Hein. 3, 4, 5, 6, 7. 2 fois 8 encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus que 8, 7, 6, 5, 4, on rentre bien, 2, 1, et on relâche. Respire, détends un peu les épaules, les poignets, les mains. On repart pour la dernière série. On remet, hein, attention, pas dans les cervicales, et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, souffle 7, 2 fois 8, 2, 3, colle les genoux, 6, 7, plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et tu relâches, et tu sens que ça chauffe déjà un petit peu, tu relâches bien, tu détends, de là simplement tu vas poser ton pied droit pour l'instant au sol et tu ramènes, ton pied gauche et tu ramènes, ton pied droit, tu expires, souffle, essaye d'aller lentement et reviens. Souffle bien et ramène. En bas et reviens. En bas,
Encore, ou les crampes. En bas et reviens. Souffle, inspire. Souffle. Essaye de ne pas lâcher comme ça au sol. Si je fais ça là, vous voyez, je pousse mon ventre. Donc j'arrange mon ventre. J'imagine, je vous ai déjà dit, comme si j'étais sur une poutre. Tac. Je bouge le moins possible. Tac. Encore. Souffle. 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 Et souffle. Très bien. De là, je relâche. Je vais prendre ma sangle. Donc, je fais attention si j'ai mal aux épaules. Je ne vais pas utiliser cette sangle. Je ne vais pas, par exemple, si vous avez mal et que vous ne pouvez pas aller derrière comme ceci, bras tendus, d'accord? Vous faites plutôt côté. Nous, on va le refaire côté tout à l'heure. Donc là, on relâche les jambes sur la poitrine et on fait que les bras, un étirement. Donc, les mains sont plus larges que vos épaules. OK? Hein? Les mains sont plus larges que les épaules. Et on tire sur la sangle, d'accord? Bien tendu. Les coudes sont verrouillés et on va expirer. Et on inspire, on revient. Allez, on travaille dans les épaules, souffle. On serre la sangle et on revient. On se concentre, on souffle. Et on rend le ventre. Allez, on travaille le dos. Et on inspire. D'accord? On essaye comme si on voulait poser et on ramène. Encore. On ne lâche pas le ventre. Hop. Et on revient. On descend. Et on revient. On étire en même temps la colonne. On serre les abdominaux. On remonte le périnée. Encore. Je ne vais pas citer tout le monde, hein, mais je veux dire merci à Babette, Clémentine, Christelle, toutes celles qui continuent, qui redarent, Cathy. Encore. Il y a Maëlys, même les petites jeunes qui s'y mettent, c'est bien. Continuez, ça me fait plaisir. Même si c'est que regarder comme Martine ou Christine, au moins, voilà. On ne fait pas ça pour rien. On continue. Allez. Donc là, on en fait encore 4. 3. Encore. Il y en a même qui se retrouvent à une ou deux en faisant attention, évidemment, hein, hein, aux gestes barrières et tout ça, qui se retrouvent pour travailler ensemble. C'est super. La dernière. Donc maintenant, je vais continuer le mouvement avec la fameuse jambe droite et la fameuse jambe gauche. D'accord? Les mouvements de bras, les deux qui vont derrière, avec une jambe puis l'autre. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Prends ton temps. Inspire. Souffle. Inspire. Tout simple. Essaye justement, quand c'est facile, comme ça, d'essayer d'aller vraiment plus profond, d'aller chercher vraiment à avaler le ventre et à revenir. Bien tendu. Tac. Quand c'est difficile, souvent on a tendance à lâcher un petit peu ou le dos, ou les abdos, ou les bras. Là, comme c'est pas trop dur, essaye vraiment d'aller t'appliquer dans le mouvement. Pas de mouvement parasite. Essaye d'étirer la nuque. Moi, je mets la petite brique. Vous pouvez mettre un petit coussin ou rester au sol. C'est parce que j'ai l'impression de vous voir, en fait. Encore. On descend et on ramène. On descend. On lâche pas le dos. On ne pose pas comme ça le pied. Encore. On descend. On ramène. On descend, on ramène, encore, on descend, hop, tac, encore, tac, encore, 4, souffle, inspire, 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 allez, deux derniers, voilà, bien, on relâche tranquillement. Donc pareil, on garde les jambes même sur la poitrine s'il faut pour bien relâcher. Et là, on va simplement écarter encore un petit peu plus et contre, comme si on voulait contracter. C'est les mouvements. Continue. Je vous montre le mouvement. C'est ce mouvement. Tac. Voilà. Et je vais tendre comme si c'était une barre avec des poids. Donc, le piège de ce truc-là, c'est de ne pas lâcher comme ça la barre. D'accord? On imagine une barre et je contracte. Donc, je tire sur ma sangle et je reviens. Je contracte et je pousse. Plier, donc c'est les pecs qu'on sollicite. Hop, tac. Plier, les coudes se posent au sol et je vais tendre, tac. Je ne casse pas les poignets et je pousse vers le plafond. En bas, en haut. En bas, en haut. Donc soit je vais garder les genoux, pour l'instant je ne les mets pas en angle droit exprès. Je relâche un peu mes abdos, je relâche mes lombaires. Je me focalise sur le haut du corps. Donc je pousse, je souffle, j'inspire. Encore. Et je contracte quand je tends et je contracte quand je descends. En haut. Encore. En haut. Allez, on pousse bien en haut. Encore. En haut. En haut. En haut. Et là, je vais faire des petits mi-hauteurs. Sans poser les coudes. 5, 6, et j'écarte ma sangle. 7, 8, et 1, 2, 3.
3, 4 et 5, 6, 7, encore. Et 1, 2, 3, 4. On ne casse pas les poignets. 6, 7. Et on essaye de contracter. Si je fais tout relâcher, comme ça, ça ne marche pas. Encore. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Moi, je commence à sentir. Hein. 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 8. Encore. Et 1, 2. Allez, on presse 3, 4, 5, 6, 7. On écarte. 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche et on sent quand même ça chauffe un peu. Hein. Donc là, on va remettre, s'il faut, juste au départ, les mains sous les genoux. OK. Et on va simplement, en même temps, amener les deux pieds au sol. Et je reviens. Les deux pieds. Serrez les genoux. Allez. Hop, j'essaie de tendre un petit peu plus mes jambes. Voilà, d'aller chercher le bout du tapis. Je prends le nombril. Encore. Je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Je souffle encore. En bas et je ramène. En bas, encore. En bas et je ramène. En bas, encore. Souffle. Souffle. Encore. Allez. 7. Profite. 8. Plus ça va là, plus ça va être dur. Plus que 8. Essaye de ne pas ramener comme ça en balançant. 7. Contracte. Enfonce le bas du dos. 6. Balance pas. 5. Rends le vent. 4. 3. 2. 1. Je rattrape ma sangle. Je fais la même chose. D'accord? Sauf que j'écarte en même temps, donc je ne perds pas ce mouvement. Et je tends. Et je tends. Et je tends. Plié, étendu. Plié, je descends. En bas et je serre. Contracte encore. En bas et je tends. Allez, serre les abdos. Ne bouge pas le bas de jambe, d'accord? C'est pas ce mouvement. Les jambes ne bougent pas. Quand j'arrive au sol, je suis en bas avec les pecs, tac, et je reviens. Je pousse bien quand je tends. Encore. Allez. Je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Je descends et je reviens. Je descends, il reste 8. 8. Serre bien les genoux. 7. 6. Encore. 5. Allez. 4, 3, on essaye, hein, c'est souvent les mêmes mouvements, mais j'essaye de varier un petit peu. 2, 1, très bien. Donc maintenant, on va le faire en 3, enfin en 3. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des petits comme ça, d'accord? Donc là, on va aller chercher à taper le sol, d'accord? Allez, 7, 8, ce qui donne. On serre les abdos, en 3, donc on ralentit. 4, ça va tirer peut-être un peu plus dans le dos. 5, 6, allez, les chevilles sont serrées. 7, 8, encore 3, 8, on fera une pause. 2, et des petits, 3, on serre là. 4, 5, 6. Donc pas trop près des fesses, ça travaille moins, on écarte un peu. Voilà. 7, allez, encore 2, 8. 2, 3, serre la sangle, serre le bas du dos. 6, 7, plus que 8, 8, 7, on serre. 6, moi je change mes abdos, hein, 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche. Je respire, je refais encore une fois celui-là 4 fois 8. Je regarde mon chrono quand même. Allez, tout petit. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On tient plus que 8, 8. 7, allez, 6, 5, 4, on prend le vent, 3, 2, 1, et on relâche. Bien, on respire, on reprend, ça va? Oui, super! On reprend, voilà, ce petit quart d'heure de folie qui revient. On reprend la sangle, on ne boit pas, hein, en plus je suis en plein cagnard, on passe plein pour une fois qu'il fait beau. Hop, ça faisait longtemps qu'il ne faisait pas beau. On met la sangle derrière la tête,
Et on va les chercher simplement. Droite, gauche. On allonge. Droite. Et on rentre son vent. Gauche. Encore, on inspire le vent, souffle, on prend le vent, deux, on descend. Là, ma cuisse, hein, c'est du béton. Alors, si je fais un petit truc comme ça, là, trop moche. Je descends et je reviens, je descends et je reviens, je descends, encore. Je parlais pour Marilyn, hein. Encore, je descends et je reviens, je descends et je reviens, je descends et je reviens, je descends, encore. Montez plus le buste, parce que là, je suis sûre que vous êtes en mode... je sais pas quoi avec votre sangle, la serre-tête. Encore. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, allez. Souffle, encore. Souffle, trois encore. Deux. Ok, relâche. On va le refaire, mais clac, clac, clac. Ça tire hein, dans le ventre, ça tire dans le dos, ça tire partout. Ça, même les mains sont moites. Il fait bien chaud quand même. Donc là, on va le refaire. Un petit chouïa plus vite. On relâche. Tac. Et on ne s'arrête plus au centre. On est là. 1, 2. Bloc. Bloc, il y en a 3. 1, 2, reste. 1, 2, reste. Pam, pam, tac. Souffle, souffle, souffle. Et 1, et 2, et bloc. Ça commence à chauffer un peu plus. Au début, trop fastoche. On se disait, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? C'est trop facile. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. On ne fait pas des trucs moches qui pédalent. Hop. Et on ne bouge pas le buste. Et on souffle. 2, 3. Et 1, 2, 3. Les derniers. 1, 2, 3. Et on relâche. On respire, on détend un peu. On masse, il faut un petit peu le bas du dos. On relâche tranquillement. On pose sa sangle. On va revenir après. On part un peu sur des fessiers. On respire. Donc, on prend largeur du bassin. On monte, on relâche. On monte, on relâche. On monte, on relâche. On monte. Vous inquiétez pas, on va reprendre la sangle hein, dans les fessiers. On monte, on relâche. On monte. Encore. On serre, on revient. On serre, on revient. Hop, on contracte, on contracte. Il faut que tu mettes ton mental dans ton fessier. Le mouvement tout simple, ça ne va pas se contracter suffisamment. Il faut que tu contractes. Tu serres, tu serres, tu serres, sans prendre dans le dos. C'est contracte et relâche pas, contracte, ne pose pas au sol. Contracte, encore. Souffle en haut, souffle, souffle. Allez, serre tes fessiers, contracte. Contracte, tu restes. Tu serres, tu serres, tu serres. Histoire que ça chauffe un peu. Tu respires. Le ventre est serré, les abdos sont contractés, les fessiers sont serrés. Et tu restes. Tu restes, tu montes plus haut. Tu restes, tu restes, tu restes. Ok. Tu redescends pour resserrer tes jambes. Ok. Tu prends ta sangle. Tu gardes tes bras sans bouger. Ça va. Pour l'instant. De là, tu vas simplement... Donc, les bras sont statiques. Tu décolles le pied droit. Donc, en angle droit. Tu reposes tes fessiers. Tu décolles le pied gauche le plus haut possible. Et tu reposes. Et droit. Et tu poses. Et gauche. Donc, continue. Ce qu'il faut, c'est quand tu montes, c'est l'arrière de la jambe. Tu ne dois pas monter avec le dos, mais tu dois pousser sur ta jambe. Et descend. Poussez sur ton fessier. Et descend. Poussez. Si tu sens déjà que tu as du mal à maîtriser le mouvement, d'accord? Si tu sens que tu bouges dans tous les sens et tout, tu restes là-dessus. Ok? Maintenant, quand tu sens que ça va, tu maîtrises. D'accord? Quand tu vas monter ta jambe, tu restes. Écoutez-moi bien. Quand tu vas descendre, tu amènes les bras derrière. Tu montes. Et derrière. Et tu montes. Et derrière. Et tu montes. Continue. Et derrière. Et derrière. Et derrière. Et tu montes. Et ça va. Hein. Et tu montes.
Et derrière. Et tu montes. Derrière. Tu montes. Derrière. Tu montes dernier, pardon. Derrière. Maintenant, tu fais l'inverse. C'est-à-dire, tu es derrière. Quand tu montes, c'est quand tu vas être. Quand tu vas être comme ça, tu vas être derrière. Et quand tu poses, tu es en l'air. Derrière, en l'air. Derrière, en l'air. Tension au dos. Pousse. Reviens. Pousse. Reviens. Pousse. Reviens. Pousse. Reviens. Essaye de monter le plus haut possible. Pousse. Essaye de ne pas embarquer ta jambe en même temps que ton mouvement. Ok? Tu vas rester au prochain en l'air. Tu restes. D'accord? Et de là, simplement, tu vas faire à nouveau les bras et le fessier. Donc, ça chauffe. Oh, j'ai pas posé, hein, j'ai pas posé, ça fait mal. J'ai pas posé, toujours pas posé, ça a toujours mal. Je suis là et tout petit. Bras et jambes. 3, 4, encore 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, point des orteils. 6, 7, encore 2, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, monte, 7, plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tu restes, tu restes, tu restes. Tu tends tes bras, tu restes, tu pousses sans bouger. Simplement, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Tu poses ton pied, pas tes fesses. Petit. Encore, 3, tu montes, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, encore, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tu tends, tu montes, allez, tu restes, tu restes, tu restes, tu restes, pousse, pointe les orteils, souffle. Ok, tu descends. Hop. Je vais mettre un peu la tête à l'angle, ce qui fait 45 degrés là. Hop. Je vais mettre un peu un petit chouïa. Je vais baisser un peu mes volets, ça vous dérange pas. Parce que là, il dit franchement, je vais pas me plaindre. 45 degrés. Trempé. Je vais finir en maillot. Hop. Profitez pour poser vos fessiers. Ah, super. Maintenant, on va pouvoir commencer. On est parti. On est là. Toujours, ça change pas. On se retrouve avec nos fessiers qu'on n'avait pas vraiment commencé l'exercice. Le chat qui s'y met maintenant. Hop. Donc j'enlève ma brique. Hop. J'étais à ce niveau-là. Je vais simplement tendre ma jambe. Et quand je vais descendre, monter mes... Enfin, descendre ma jambe, mes bras vont derrière. Je reviens. J'inspire. Ma jambe est tendue. Tac. Et je vais derrière. Donc, je vous rappelle que quand je vais derrière, je pousse. Quand je vais derrière, je pousse. Hop, je pousse. Encore. Inspire. Je colle les deux genoux. Inspire. Je colle les deux genoux. Inspire. Souffle. Inspire. Descends pas le fessier. 8 encore. Il y a 4, 8. 2. Allez, on a déjà fait 2, 8. 3. Tends ta jambe. 4. Bien tendu. Pousse 6. 7. Plus que 8. Dernier 8. 7. 6. Pousse plus haut. 5. 4. Étire. 3. 2. 1. Je reste. Je monte. Je monte. Je monte. Je ramène. Je redescends tranquillement mon bassin. Je rapproche. Je me repositionne. Et je repars. Donc. Inspire, allez, et je descends. Allez, 2, prends ton temps. Je veux pas de mouvement rapide, 3, encore. Quand je vais en bas, 4, je monte le bassin. Je suis là, je monte le bassin, 5. Je monte le bassin, 6. 8, 3, 8 encore. Pousse le bassin, va pas trop vite. Pousse le bassin, 2, encore. 3, 4. En haut. Et deux. On s'écroule pas. Trois. On pousse.
ensemble. 4, encore. 5, 6, allez. 7, je crois qu'il reste 8, non? 8, oh, attendez, je fais n'importe quoi du coup. 7, allez. Pousse 6, encore. Pousse 5, la tête reste au sol. 4, allez, on pousse sur la jambe droite. 3, 2, 1, je reste. Et je ramène, je redescends. Je relâche un champ, une petite étirement là, au niveau de l'ischio, on sent que c'est un petit peu raide. Je respire tranquillement, j'étire mes jambes tranquillement. Je repars avec ma sangle et mes abdos. Parce qu'aujourd'hui, on fait un petit peu plus d'abdos, comme souvent, quand on est debout, on part un peu plus sur les jambes. Donc là, je mets ma sangle au niveau des pieds. Tout à l'heure, j'avais le buste au sol quand j'ai fait le mouvement. Okay, faites attention, ceux qui ont des problèmes de cervicale, s'il faut, vous gardez la tête au sol. Je vais prendre à peu près l'argent de mes épaules. Hein. Donc, je suis là. Quand je vais tendre mes jambes, mes pieds sont serrés, je tends mes bras. Attention. Et j'inspire, je ramène. C'est lent. Et j'essaie de revenir groupé. Et je reviens groupé. Quand je vais ramener mes genoux, je remonte un peu mon buste. La tête reste entre les bras. Attention, continue. Attention au piège d'avoir la tête comme ça, là. Hein. D'accord? Encore. Si ça va pas, plie tes genoux. Tac. Allez. Joli. Et on ramène. Et on serre. Et on ramène. Et on sourit. Et les bras sont tendus. Et on souffle. Encore de 8. Et hop. Et on ramène. Encore. On rend le ventre. Et hop. Et on ramène. Va pas trop loin les bras. Et on ramène le buste. Les genoux sont serrés un peu plus bas, les jambes. Allez, on part sur dernier 8. 8. On sent un peu la nuque, mais c'est normal. 7. Encore. 6. Encore. 5. Allez, on remonte. On lâche pas quand ça brûle. 4. On remonte. 3. On remonte. 2. Encore. 1. On reste tendu. On reste. On avale le ventre. Et on relâche la nuque, on détend, on respire tranquillement. On relâche un peu, on respire, on passe sur un côté où on prend le petit balancier pour venir s'asseoir. Ça va? Ah, attention si ça tourne. On reprend sa sangle, finalement on l'aime pas cette sangle. Allez, pied au sol, on imagine que c'est une pagaie, on part en vacances. Et on va aller chercher à droite, on revient à gauche. À droite, à gauche. À droite. C'est vraiment le mouvement. Attention, ceux qui ont des problèmes de dos, vous restez sinon dans l'axe. Ok? Encore droite et ramène. Gauche et ramène. Droite, allez. Gauche, encore. Droite, allez. Gauche. Droite, gauche, continue, droite, reste, bouge plus, tu restes. Tu restes, les bras sont tendus, tu avales le nombril, tu restes, tu sens que ça travaille. Tu restes, tu restes, tu restes. Tu reviens, t'es pas remonté, tu changes. Tu restes. Respire, reste bien sur le côté, monte bien. Tu vas relâcher comme ça. Monte, 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 monte. Serre bien les genoux, les chevilles. Et reviens, relâche quelques secondes. Ok, c'était facile, pied au sol. Donc là, on continue pied au sol pour l'instant, et on va faire les pecs, sauf qu'on va descendre dans les abdos. Donc on fait attention. On descend en pec, et on remonte. D'accord? On descend en pec, donc les coudes, ils ne sont pas comme ça, et on remonte. On serre, donc on n'a pas le dos qui est rond. Hop, on ralentit un peu le rythme, parce qu'il faut vraiment contrôler. Tirez dessus, rapprochez les omoplates. N'amenez pas le dos comme ça. Et là, cherchez vraiment un peu à regarder vers, moi je vous regarde, j'ai l'impression, mais vers le plafond. Donc on va rester, on va le faire un peu plus lent. On va rester un peu, 1, 2, pour prêt à faire le mouvement. On va rapprocher les omoplates. 1, 2, profitez. Les pieds sont au sol. Encore. Allez, ça doit tirer un même là, partout. Tac. Ça donne... Allez.
Les Sylvie, les Guénel, Barbara, enfin tout le monde. Je ne vais pas citer tout le monde, il y en a plein, plein, plein. Envoyez-moi les petits messages. Là, je cite tous ceux qui m'envoient. Nathalie, tout ça, qui m'envoient des messages encore. Hop, Laetitia. Encore. Hop, Cécile. Michel. Bref, on est là. Ok, on est là. Tout petit. Pourquoi? Ah non, c'est pas ça. C'est tout petit bras et buste. Fu. Alors déjà que c'est dur que buste. Buste et bras, faut être dingue. Deux. Là, mes épaules, ils font pas de la mobilette. Je suis pas comme ça. Hein. Fu. Je rame, mais je fais mon dos. Fu. Ma nièce qui s'y met, mon neveu. Encore. Hop. Ma soeur, mes soeurs, encore. Bon, il n'y a que. On continue! On fait pas des pauses là. On fait pas des pauses. On continue. Marilyn, chez toi, pareil. Encore. Hop. Hop. On fait pas des pauses. 7, 8, je sais, je compte. 8, 7. Je suis en forme. Hein. 6, 5, c'est soit ça, soit je déprime, soit je suis de manger. Donc voilà, là, je me lâche sur vous. 4, je fais comme si vous étiez avec moi. 3, 2, 1, je relâche. Là, on avait fait avec les pieds au sol. Bon. Ben, je l'avais dit avant, donc comme je l'ai dit, ben, faut le faire. Hein. Les pieds décollés du sol. Vous avez option, pieds au sol. On part sur je pagaille, à droite et à gauche. Je décolle. On peut aussi avoir l'option un pied. Petite joueuse, quoi. Allez, on y va. Droite, gauche. Ça bouge pas, hein. Droite. Alors là, je relâche. Non, là, je tiens plus mes cuisses. Gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Anne-Marie aussi, je sais que tu continues à faire les vidéos. Encore, gauche. Il y a celle du yoga qui s'y met et ceux du yoga, c'est bien encore. Hop, hop, hop. Souffle encore. Tac, ça va finalement. Hop, hop. On pagaye, on est bien. On s'imagine sur une mer, le soleil. Bon, pas pour tout de suite. Mais encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, parce que la rivière c'est pas mon truc, hein. 2, 1, et je relâche. Deuxième. Dans l'axe, pied décollé. T'as option pied au sol, option un pied. Allez, c'est fini, ça fait déjà 32 minutes. Allez, j'ai eu ma petite pause debout pour le volet, ça a pris au moins une minute. Je sais ce qu'il y en a qui disent. Allez, on est là, on décolle. Donc on est là et on descend. Donc doucement, parce que là c'est chaud. Tac. Et les jambes, elles font un peu comme ça. Tac. Normalement, c'est jambes tendues. Déjà, je suis sympa. Hop, je descends. Et là, ça fait. C'est là, on voit si tu as fait un peu d'abdos ou pas. Tac. Encore. Tac. Tout fait mal. Les cuisses, les abdos, le dos, les bras. 4, on rouspète pas chez vous. 3, on ne rouspète pas. 2, 1, et on relâche. Il nous reste la dernière option, des fufufus, les pieds décollés, fufufus. C'est fini. Rouspète pas, on le fait avec le sourire, on sait que c'est les derniers. Allez, on y va. Allez, va mettre les autres. Allez, tout petit. Attention des petits. Minutes, on n'a pas le temps. Donc, au pire, vous faites un cours de yoga derrière. Basculez sur un cours de yoga. On attrape la sangle. Ok. On voit toujours. Hop, on n'a pas le temps de faire trop, mais. Hop. On étire, on ramène bien les genoux comme ça. On étire le bas du dos avec la sangle. Ça fait du bien. On ramène au maximum. On respire. On met les deux pieds. On écarte un peu, on étire, on plie les genoux. En ce moment, je suis très sangle en yoga aussi. Inspire, expire, on souffle. On tend,
Ça étire les mollets, le bas du dos. On plie comme si on avait un plateau, on inspire. On expire, on allonge, on tend. Allez, encore une fois, on inspire, on plie. On expire, on tend. On reste, pied flex. On enfonce bien le bas du dos. Et on relâche tranquillement. On met les deux mains de chaque côté. Là, vous n'aurez pas trop de courbatures. Hein. On décolle, fessiers, lombaires. On monte le plus haut possible. Et on expire. Vous pouvez enchaîner ça avec un derrière, un yoga. Ça fait 30 et 30 minutes, ça vous fait un petit cours d'une heure. Inspire. Ou si vous voulez un truc plus tonique, vous pouvez faire un abdo-fesse debout. Vous regardez quand c'est debout. Et enchaîner avec le pilates au sol. Vous faites votre petit montage. Déjà de faire ça, déjà c'est bien. Inspirez. Expirez. On finit, on ramène les deux genoux. On va amener les deux genoux à droite. On pose bien les pieds, la main sur les deux genoux, la tête à gauche. On relâche. On revient. Tac. On bascule. Les deux mains, la tête. On revient. Aujourd'hui, on finit comme ça. On pose les pieds en papillon. On met les mains sur le ventre. Mets de ma brique. Vous fermez vos yeux. Vous m'écoutez simplement. On relâche au niveau des adducteurs. On met les mains sur le ventre. On ferme les yeux. On inspire. Le ventre se gonfle. On expire. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur ma voix. Concentrez-vous avec les mains sur le ventre. On fait ça pendant une minute. Inspire. Et expire par le nez. Ça replace le bassin, permet de récupérer. On revient doucement, tranquillement. On fait juste le petit balancier. Hop, on revient s'asseoir. Voilà, donc j'espère que ça a été. La semaine prochaine, prévoyez la sangle, mais j'en sais trop rien. On fera normalement peut-être tout debout. Donc voilà, je vous embrasse. Si c'est possible, peut-être je le ferai au bord de la mer. Enfin, je ne vais pas m'enflammer parce que pour l'instant, ce n'est pas possible. Et puis, on voit ça très vite. Je vous embrasse.